Et voilà parti pour ce prix Trottin Bloodstock, 9e course de la journée, avec tout de suite aux avant-postes Cupidon des Rings qui s'est emparé du commandant, une longueur et une avance sur Golden du Maine. Les concurrents sont maintenant au milieu de la ligne opposée avec toujours Cupidon des Rings qui a l'avantage, associé à Diane Guéguin avec une longueur et demie d'avance, avec Golden du Maine, Arnaud de Tarragon, Kazakh du Hara de Molpère qui vient maintenant en seconde position, alors que c'est toujours Cupidon des Rings qui emmène le peloton avec un très léger avantage, Diane Guéguin qui n'amuse pas le terrain en tête et qui va librement, alors que Golden du Maine est bien calé dans son dos et laisse passer l'orage. Les concurrents vont aborder le tournant avec toujours Cupidon des Rings qui emmène le peloton depuis le début de l'épreuve, une longueur et demie d'avance maintenant avec Diane Guéguin, avec en seconde position Golden du Maine et Arnaud de Tarragon qui vient bien calé dans son dos, alors que les concurrents sont au bout de la ligne opposée. Ils vont aborder le tournant dans quelques instants, toujours Cupidon des Rings qui a l'avantage et qui va maintenant tenter de repartir dans cette épreuve. Il me semble que c'est d'ailleurs la première course de sa cavalière, alors qu'on vient en seconde position avec Golden du Maine qui n'est pas loin du tout et qui va essayer de mener la vie dure dans la ligne droite d'arrivée, puisqu'ils sont maintenant à l'amorce du tournant final. Il va leur rester 200 mètres à parcourir avec Cupidon des Rings, avec Golden du Maine qui a plongé Godécord actuellement, avec maintenant Arnaud de Tarragon qui va tenter de lancer son partenaire le long de la corde, mais à l'extérieur on lui répond maintenant avec Cupidon des Rings qui est à l'extérieur, avec Golden du Maine plus côté corde, Golden du Maine, Cupidon des Rings, Golden du Maine qui semble avoir pris l'avantage maintenant côté corde, avec Cupidon des Rings à l'extérieur qui va tenter de bien terminer après avoir supporté le poids de la course. Les concurrents sont aux abords du poteau avec maintenant Golden du Maine qui va s'imposer, Arnaud de Tarragon la seconde place pour Cupidon des Rings et Diane Guéguin.